Donc, hello, hello, nous revoilà pour une petite vidéo. Là, on est le 3 septembre, ici, on est déjà en automne, hein, je peux vous dire. Quand on voit l'arrière, là, la montagne. Bah, ça y est, hein, je vais vous dire, let's go, let's go, let's go, c'est parti, on va commencer à planter. Ça va être du sport, mon ami. Voilà, allez, je vous tiens au courant. Donc, je parlais avant, dans la vidéo précédente, d'où est-ce que j'ai tous ces groseilliers. Ben, techniquement, comment je vais procéder? J'ai trois différentes provenances. Une partie que j'achète cette année, c'est des nouveaux, quoi. Ceux-là, ils sont petits, hein, forcément. Hein. Ceux-là, je les achète. Et j'avais commencé à planter sur deux espaces, dont un où je suis actuellement. Là, je vais vous montrer un peu. Voilà, j'avais planté l'année dernière, l'année passée. Bon, les conditions ici sont vraiment mauvaises pour différentes raisons. Donc j'ai décidé de stopper cet endroit. Donc bah là, je vais vous dire, c'est un peu comme un marché à ciel ouvert. Hein. Là, bah, je vous montre ça. Donc voilà, bah, je récupère des pieds comme ça. Ici, hein, je fais mon petit marché, comme je disais à l'instant. Donc voilà, hein, je fais mon petit marché. On est sur différentes espèces. J'avais planté ouais, une dizaine de rangs. Et je tiens à préciser quand même qu'avec cette chaleur, ceux qui ont le mieux tenu, c'est là où j'ai laissé un peu la jungle. L'autre côté, c'est cramé, quoi. Mais là, dans la jungle, ça a bien tenu, hein, on peut voir. Hein. C'est vrai que sur la vidéo, ils ressortent bien, ils ont un vert particulier. Enfin voilà, c'est. Donc là, ici, c'est le premier marché. Il y a une autre provenance, c'est que j'ai un petit jardin à Strasbourg. Donc d'après moi, ce que je pense, c'est quand même pour planter de la groseille, il vaut mieux aller un peu en altitude, un peu en montagne et un peu dans la forêt. Hein les amis? Donc là, c'est un coin à champignons et ça va devenir un coin à groseille. Donc pour un 18 septembre 2022, là il a affiché 11 degrés, 9h05 du matin. Je vous fais pas un dessin du programme de la journée quoi. C'est vrai que là avec la lumière on voit pas vraiment. J'imagine qu'on voit rien du tout sur la vidéo. Je vous laisse imaginer. Je vous refais un plan à l'arrivée là. Yes. Oui, donc je le disais, hein, je vais pas vous faire un dessin. Hein. Planning de la journée, quoi. Hein. Voilà. Quand je vous dis que le Bretzel Airlines, c'est de la dynamite. La forêt dans la voiture, mon vieux. Eh oui, hein. Donc c'est le petit travail du jour. Donc là, on est sur un groseille. Hein. Là, c'est un petit pied de cassis. Groseille, groseille. Là, c'est un petit, mais petit pied de cassis. Donc, comme on pourrait dire, ben, opération en cours. Bon, je trouve que ça fait assez propre. Hein. Là, il y a une belle luminosité là ce matin. Ça commence, petit soleil. Franchement, l'idée, c'est ça. Pas super compliqué à faire. Un peu de boulot, mais le rendu, il est franchement frais. Je valide. Voilà, et puis donc, l'idée, c'est de faire ça, mais jusqu'en haut, là-haut. Là, ça va aller vite. Un mois, j'ai tout tué. On en reparle. C'est bonne plantation, quoi. Hein. Il y a salement du vent et franchement, c'est pas la fête. On est le 1er octobre et il y a la race à faire.
Donc c'est va être compliqué pour moi. Bon, on se tient au jus. Alors donc oui, je vous avais parlé de la plantation des groseilliers. Comment je fais quand je vais en mettre plein? Ben, je vais vous montrer ça aujourd'hui. On est le 1er octobre 2022. Et franchement, la météo elle est un peu ventue, venteuse. Et on peut voir que derrière moi, la montagne, un peu dans les nuages, hein. Donc, courage, courage les amis, je vais vous faire ça tranquillement. Donc, je vous montre comment je procède quand j'en fais plusieurs. Allez, bon, alors j'ai fait les trous déjà, hein. Ça vaut bien un trou à la tarière, non? Donc, on peut voir la profondeur. Largement, bon, on va dire 40 à peu près. Le fond est déjà mou, hein. Donc après, il y a déjà les trous que j'ai ouverts. Il y en a qui ne sont pas ouverts parce qu'ils stockent la terre des trous. Donc là, je vais prendre la terre d'ici, que j'ai déjà un trou en dessous, et je vais la mettre là. Je fais tout à niveau et je vous montre la suite. Bon, alors pour le première action, je mets le compost entre compost et terreau. Donc une poignée comme ça, deux poignées par un trou. Bon, il en reste un peu. Tac. Tac. Là, on est sur le Phénix. Hein, forcément, avec un K un peu fort, un potasse un peu fort, puisque nous, on est dans le petit fruit. Je mets ça par plan. Voilà, ensuite, mélange. Pas, hein. J'enlève juste ma petite écharpe, hein, je commence à avoir chaud. Ensuite, on va sur le pralinage. Pralinage, ça consiste à faire une boule liquide avec bah, de l'eau, de la terre et de terreau, là, tout le mélange pour ah, désolé. Pour que quand je plante, en fait, les groseilliers, ils n'aiment pas d'avoir de l'air au niveau des racines. Donc, quand il y a un pralin, c'est sûr, il y a l'eau. 100%, il n'y a pas d'air. Donc en avant. Pour faire le ras sur l'eau, ben, j'ai des 5 litres par plan. Hein. C'est mesuré. On y va. Ensuite, on mélange. Quand c'est trop liquide, on rajoute. Alors ça donne quoi ce pralin? Voilà, c'est bien liquide. Voilà, ensuite, rebelote, reprend du terreau. Tapisse.
Oh, je l'ai mis un peu à l'envers celui-là. Dernière étape, j'y suis. À partir du grand, on en met 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voilà quoi. L'idée, c'est ça. En général, je passe encore un petit coup d'arrosoir dessus. Il est là-bas. Bon allez, à plus, je vais arrêter de filmer aujourd'hui parce qu'il y a trop de vent. Bon bah là, on peut dire qu'on a un magnifique arc-en-ciel. Hein. On arrive sur la plantation, on est mi-septembre là.